Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Gameplay. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble le jeu Planet Crafter, un jeu de survie spatiale en monde ouvert dans lequel vous pourrez jouer seul ou avec des amis jusqu'à plus de 10 personnes en coopération en ligne. Vous devrez transformer l'écosystème d'une planète hostile pour la rendre habitable pour les humains. Survivez, collectez, construisez votre base, puis créez de l'oxygène, de la chaleur et de la pression pour créer toute une nouvelle biosphère. Le jeu combine toutes les mécaniques de construction de base, farming, crafting, et terraforming, ainsi que les mécaniques de jeu de survie, mécanismes de soif, d'oxygène, de température et de santé. Le jeu est développé et édité par le studio indépendant Miju Games, situé à Toulouse, en France. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le studio Miju Games qui me permet d'accéder au jeu pour vous faire cette série de vidéos. Présentation faite avec le jeu et ses développeurs, il est temps de mettre votre casque et votre combinaison de cosmonaute. Montez avec moi à bord de ma navette spatiale, le gameplay du jeu Planet Crafter commence maintenant. Allez, on est reparti donc sur The Planet Crafter pour un nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver, j'en fais un petit pas de danse. Et blague à part, je vais stopper cette emote. On est donc au quatrième épisode. On a super bien avancé dans la création de notre base pour survivre. On a fait une... On a fait un centre de production de légumes. On a de quoi faire de l'oxygène, de quoi faire de la chaleur. On a de quoi faire pas mal de choses. Ici, on a le tableau, on a même la pression atmosphérique qu'on est en train de créer. Et le but donc dans cette mission, c'est de pouvoir créer un ciel bleu. Regardez, il commence à devenir un peu plus bleu qu'au début, avec un score de 175 000 à atteindre. Vous voyez en haut à droite là, on a un score en kilo TI. Donc je suis à 106 kg et il faut atteindre 175 kg. Donc on n'est pas loin d'avoir créé le ciel bleu qui nous permettra de passer à l'étape suivante dans notre quête et notre survie. Je vais vous montrer aussi sur le toit ce qu'on a. On a pas mal de petits panneaux solaires, on a un énorme panneau solaire. Je pense qu'il va être temps de remplacer les petits panneaux par des gros parce qu'ils produisent beaucoup plus d'énergie. Comme j'ai agrandi toute cette zone là, pareil, on a tout un tas d'espace. Ici on a même un sous-sol. Regardez, pour l'instant c'est juste une sortie supplémentaire. Mais on va aussi se charger de retravailler la disposition, je pense, dans cette base, puisque là, je suis un peu bloqué pour aller derrière, donc ça, je peux le décaler. On va faire ça, on va un peu aménager pendant cet épisode, et on a débloqué aussi, hop, des nouvelles technologies. Donc on va aller les utiliser. On a l'exosquelette qu'on peut fabriquer ici. Pour ça, il faut donc du titane. On a le premier niveau déjà, titane, silicium, magnésium. On va le prendre. Donc magnésium, j'en prends un, silicium, tac, et titane. Voilà, j'ai les trois, je retourne à ma machine, exosquelette de niveau 1, on va l'équiper. Hop, j'ai pas de slot? Attendez, c'est quoi ça? Sac à dos, réservoir, micro-puce déconstruction. Ah ok, non, les petits pas sur le perso. Ah ça c'est bizarre. Attendez, mais si, forcément. Je vais enlever un truc là. Ben non. Ah c'est moi en fait, c'est moi, excusez-moi. Je l'avais déjà équipé, ok. D'accord, ok, je l'avais déjà là, j'avais pas fait gaffe. Donc j'ai un niveau 1 en trop. Je ne sais pas si on peut les supprimer, pas pour l'instant je crois. Je vais aller le ranger là. J'ai déjà un sac à dos que j'avais fait en trop. Et on va faire un niveau 2, donc le niveau 2... Hop, et niveau 3 aussi. Ok, ça c'est le sac à dos. Ok, exosquelette, donc titane, silicium, aluminium, magnésium. Ok. Magnésium, je vais en prendre deux d'avance. Silicium, aluminium. Hop, je vais en reprendre un ou deux. Et du titane. Ah, c'est là le titane. Voilà, j'ai un peu d'inventaire en plus. Donc l'exosquelette de niveau 2, et ici on a des slots en plus, c'est ça, augmente le nombre d'objets dont vous pouvez vous équiper. Ah non, c'est s'équiper, c'est pas dans le sac à dos, d'accord. C'est le sac à dos de niveau 3 qui m'intéresse là. Il faut le T2. Attendez. Quelle est cette folie? Je suis déjà en T3, ok. Ça va trop vite en fait, j'ai du mal à suivre, j'ai déjà avancé au T3, d'accord, très bien. Des bottes d'agilité, de tissu, ça je les ai. Donc les bottes d'agilité, ça va me permettre de faire quoi? Augmente la vitesse de déplacement. Parfait ça. Parfait les bottes. Voilà, donc là... Ouais, en courant peut-être. Puis en marchant, c'est pas flagrant. Ouais, peut-être en courant. D'accord. Donc ça c'est good. Qu'est-ce qu'on a d'autre après à débloquer là?
On a la fameuse antenne à construire. Donc là, c'est un alu. On l'a. Tac. On va aller sur le toit. Et on va construire cette antenne. Waouh! Elle est énorme. Elle est énorme. Je vais la mettre derrière. Ici, tiens. Énergie insuffisante. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et là, il faut quoi? Cobalt, cobalt, silicium. Tac. On va aller chercher ça. Hop, celle-ci, elle me dérange, en fait. Voilà. On va faire ça. Cobalt, cobalt. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus d'eau. Voilà, on boit un coup. Je vais aller chercher du cobalt. Il y en a là-haut. Je peux le choper, celui-là? Ouais. Voilà. On en prend ici aussi. C'est parfait. J'ai besoin de quoi d'autre? Magnésium et silicium fer, ok. Magnésium. Je prends pas mal de cobalt, hein. J'en aurai d'avance. Je vais les mettre dans un placard. Tiens, là, on a du titane, cobalt. Ok, on va aller voir ce qu'il y a en haut de la montagne. Là. Est-ce qu'on voit autre chose? Ouais, silicium, fer, inventaire plein. Ok, j'ai peut-être pris trop de cobalt. On va faire ça. Et ça. Il me faut quoi là? De l'eau de... Ah, j'en ai pas. Bon bah, je viendrai rechercher mon stuff. Je vais décéder ici. Et je vais revenir chercher tout ça. Je vais le mettre visible. Face à la capsule. Voilà. Donc là, je vais respawn dans ma base. Un nouveau jour se lève. Et là, vous voyez, mon stuff, il est juste là. Donc ça va. Ça va, c'est pas trop punitif. On peut aller rechercher son stuff. Tout va bien. Ok. C'est pas punitif parce qu'on est à côté, hein, clairement. On serait plus loin. Ce serait pas la même histoire. Tac. Il manque juste un petit bouton, là. À moins qu'une touche le fasse, mais pour tout transférer. Tout transférer d'un coup. Là, on est full, on est d'accord. Tiens, ce que je peux faire déjà, c'est prendre une ration spatiale. Comme ça, je peux ramener ça en plus. Parfait, là, stuff est plein, ouais. L'oxygène, je vais me refaire une santé ici. Parfait. Donc là, on le voit, il n'y a pas assez d'élec. Ça tourne plus. Du coup, on va aller créer... une éolienne supplémentaire, une éolienne, un panneau solaire supplémentaire ici. Voilà, là ça tourne. Ok, est-ce que je peux en faire un autre? Ouais, j'ai de la marge, on y va. On y va, on va le placer au centre de celle-ci. Voilà, là on est bien. Et on va démonter les petites installations si besoin. C'était pas là, c'était là. On a 27 de dispo. Les petits panneaux solaires, 32. Ouais, je vais faire un gros de plus, je pense, et démonter les petits. Hein. Ce sera plus cohérent comme ça. Parce que j'ai de quoi le faire. Il me faut un alu, un magnésium. Alu, j'en ai encore un peu. Ah, c'est magnésium, pas silicium. Magnésium, je l'ai laissé là, je crois. Yes. Ok, on est parti. Donc, ici... faire celle-là. Et je récupère les ressources. Ok, il n'y en a plus. Enfin, j'ai plus de place surtout. Donc ici. Qu'est-ce que je peux poser? Je pose le silicium. Voilà. Tac, ici je peux poser. Tiens, le cobalt, on en avait besoin. C'était pourquoi déjà? C'était... Tiens, ça, on a ça à faire. Vitesse d'extraction, c'est magnésium, silicium, aluminium. Ah mince. Donc aluminium, silicium, tiens le titane, je peux le poser, silicium, aluminium et magnésium, parfait, et là, let's go, on fait la puce, on l'équipe, donc là on va extraire plus rapidement les ressources, je vais récupérer ce qui traîne là-haut,
comme ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On n'a plus rien là, je crois. On est en combien sur l'oxygène là? Ah, là on est en T2. Là on n'a pas fait le T3. Donc titane, magnésium, aluminium. Magnésium, je l'ai pas pris, si. Aluminium, titane. Donc là on se met en T3. 2,80. Ah oui, c'est bien mieux. Ensuite, les bouteilles. On va faire des bouteilles d'oxygène. 3 bouteilles, 4 bouteilles. Donc là on est bon, je peux m'en refaire. 5, 6 bouteilles. Bouteille d'eau, est-ce que je peux en faire? Non, faut que j'aille chercher de la glace. Ah, j'en ai peut-être. Yes, j'en ai 2. 1. Je l'ai bu, je me suis trompé de touche. On va aller chercher un peu de glace, c'est pas grave, il y en a juste là. J'ai du stock, ouais. On va faire, c'est même farmer un tout petit peu de l'eau. Donc la glace permet de faire de l'eau. On a du fer. Ok, ça j'en ai mangé un petit peu, donc je vais en prendre. Cobalt, je peux en ramener 2-3 à la maison. De la glace, ouais. Ça c'est good. Du fer, ce serait pas mal aussi. Hein. On commence à en manquer un peu. Bon, le titane, ça peut servir, mais le fer, ce serait bien. Inventaire plein. Ok, ben, on reviendra un peu plus tard. Voilà. C'est marrant là comment il s'est accroché au rocher. Parfait. Bouteille d'eau. Voilà, je me trompe à chaque fois de touche, j'affiche le menu, c'est pas bien grave. J'ai encore bu l'eau, je me suis encore trompé de touche. Donc là, il y en a 2 sur moi. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 sur moi. Une ration de nourriture, ouais. Cobalt. On va ranger un peu ça. Cobalt, je vais le laisser là pour l'instant. Silicium, ici. Ensuite, là, on va se mettre. Ça, c'est du fer, ouais, c'est du fer. Titane et fer. J'en ai fait tomber un, non, c'est bon. Ok, on a ce qu'il faut là pour partir. Je regarde les technologies, s'il y a autre chose là. VG tube, T3. Ah ouais, le T3. Les T3, tac, pour les faire, il faut un alu, silicium, ah, une bouteille d'eau. On va le tenter, on va en faire un, tiens, celui qui est le meilleur. Là. J'ai encore un alu, j'en ai 2, silicium. Donc on a dit, foreuse, ah, il y a le foreuse, non, c'est T2, c'est tout, il n'y a pas T3. Hein. Donc silicium, magnésium, ok. Silicium, ben, je l'ai déjà là, ah, c'est T2. Attendez, j'ai pas... suivi. Ah oui, c'est 2 silicium, 1 magnésium, titane fer, il est à la magnésium, là. Donc là, je peux faire un nouveau. Donc, par exemple, celui-ci qui est le plus gros multiplicateur, je crois, ouais. Je le remets là, et bien sûr, ici, je fais mon niveau 3. Pourquoi il veut pas? J'ai tout ce qu'il faut, là. Ah, c'est en extérieur, non? Comment ça, il veut pas? Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'il a? Ça, c'est la meilleure. C'est un végétube extérieur. Ah, c'est extérieur, cela. Ouais, c'est nul. C'est nul, moi, je le voulais dedans, pas en extérieur. Alors, attendez. J'ai une idée. Parce que moi, je vais faire une terrasse, dans ce cas. On va se le mettre en extérieur, mais... on va faire les choses bien. Là, ici. Une porte, il faut un titane. Là, on se la fait là, la terrasse. Allez, on se la fait là. Bam. Et, oups, je me trompe de menu. Et là, on se fait titane cobalt. Dalle, sol, plafond, vitré. Et là, c'est un fer. Pourquoi ça ne veut pas là? Ok, c'est bon.
On peut le faire comme ça ou pas? En mode terrasse. Genre au même niveau? Genre là? Pas trop. Non, c'est pas fou ça. C'est pas fou du tout. C'est une terrasse, mais là, je suis un peu inquiet. J'ai l'impression qu'on va tomber. Comment je peux faire ça? Parce que là, si je fais un sol titane cobalt, il va pas se mettre dehors. Attends, on va essayer. Titane. J'ai mis où le cobalt? Là. Cobalt. Vous pensez que ça peut passer, ça? On est... C'est la meilleure. Je l'ai pas... Quoi? Je suis passé au travers, il y a eu un petit bug. Comment j'ai fait pour tomber? Ah ouais. Comme je l'ai pas créé... Ah, ça m'enlève le plancher et je tombe. Waouh, faut pas viser là, hein. Non, on peut pas, ok. Ah, c'est drôle. En fait, là, vous voyez, ça enlève le plancher, donc je tombe dans le trou, quoi. Là, heureusement, il y a une grille en dessous, donc ça va. Là, il y a une grille en dessous. Là aussi, mais on voit que je tombe, hein, regardez. Là, il y a pas de grille, je tomberai dans le trou. C'est énorme. Énorme. Ok. Du coup, il n'y a pas de terrasse possible pour l'instant, j'ai l'impression. Donc, ce que je peux peut-être faire dans ce cas, c'est ça. On se la fait comme ça. C'est pas idéal. Mais on la fait comme ça. Ah là, ça veut s'aimanter ici. Et pas celui-là. Ok. On va venir la faire ici, c'est pas grave. Pourquoi elle veut pas là? Ah, parce que je suis déjà dessus. Là, il veut absolument s'aimanter, mais pas au bon endroit. Il veut s'aimanter là, parce qu'il y a l'autre ici, je pense. D'accord. C'est pas hyper beau pour l'instant, hein. On va améliorer ça après. Ok, donc là, il y aurait ça, et le VG-tube, je le mets là. Il manque un silicium maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait du silicium? Je l'ai mangé. Je m'en suis pas servi du silicium, c'est bizarre. Ok, on se le met là. Et je mets ça dedans. Et là, je suis en production à 78. Ok. Bon, ça pousse vite, hein. C'est vraiment dommage que ce soit en extérieur, les niveaux 3, là. Donc celui-ci, est-ce que j'ai encore de la plante à mettre dedans? Ouais, ouais. J'ai 2 graines, 4 graines. Enfin, 4, ouais. J'ai du 150, du 200, 150, et celui-ci, l'Irma, là? Il est à combien? Oxygène plus 1,2, 4, 2,4. Ok. Pas l'idéal, sûr. 200%. Donc là, on est à 2,4. Ok. Et celui-là, c'est 400%. Non, 200, 200, 100, du coup. Et 400, ouais, c'est ça, 400. Okay. On est en train de recevoir des messages. Nouveau message reçu. Alors, message. Donc, ceci est un message automatisé. Vous avez choisi que votre sentence soit communiquée en extradition. Si vous voulez que toutes les charges retenues contre vous soient levées, vous allez devoir entièrement terraformer cette planète. Nos capteurs analyseront périodiquement l'avancée des travaux et nous vous enverrons les plans requis. N'essayez en aucun cas de contacter Sentinel Corp. Si nos capteurs ne détectent aucune avancée dans le processus de terraformation, vous serez porté manquant. Mais les charges qui pèsent contre vous ne seront pas abandonnées. Vous n'êtes propriétaire de rien sur cette planète et vous ne pouvez donc pas vendre quoi que ce soit. Vous n'êtes autorisé à utiliser les ressources trouvées sur la planète que pour augmenter l'indice de terraformation et vous n'êtes pas autorisé à quitter cette planète tant que la terraformation n'est pas terminée. Waouh. Encore Sentinel. Caractéristiques de votre planète. La planète Unnamed est située dans le secteur Primer Zintal, une zone pré-civilisée sillonnée principalement par des vaisseaux commerciaux qui voyagent entre les grands spatioports. Le secteur compte 842 planètes, 13500 étoiles et fait 7000 parsecs de large. La planète a été identifiée comme candidate potentielle en vue d'une future colonisation. Enfin, il y a Riley.
Salut, j'ai enfin réussi à localiser le système dans lequel ils t'ont envoyé. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de te donner quelques conseils. Le très faible taux de réussite de Planet Crafter est dû au fait qu'une tâche, que c'est une tâche quasiment impossible. Tu devrais pouvoir trouver des rations de nourriture dans ta capsule et peut-être aussi dans les épaves spatiales. Tu pourras faire pousser de la nourriture par toi-même si tu remplis les conditions requises. Essaie donc de trouver des graines, de légumes. Ça, c'est déjà fait. L'exploration et les améliorations sont essentielles. Explore la planète et améliore ton équipement afin d'augmenter tes chances de survie. J'espère que ce message te parviendra. C'est bien reçu. Ensuite, j'ai un message d'internet. Journal de bord, ce matin, alors que nous étions à notre 17e jour de voyage spatial vers Stigmar, le vaisseau a inexpérimenté subi une perte de vitesse qui l'a fait quitter. Ouais, ben ça, on l'a déjà vu. Ok, j'espère qu'on va s'en sortir, blablabla. Donc ça, c'est, à mon avis, le vaisseau qui est... J'ai tellement construit qu'on ne le voit plus. Attendez, je vais vous montrer là-haut. Ce sera mieux. Voilà, c'est le vaisseau qui est là, à mon avis. Ce message. Très bien. On est bon. Le ciel bleu, regardez, on est à 80% de la quête. Ça avance, ça avance. L'oxygène, on est pas mal. La chaleur, ça ne bouge plus trop, là. Il faut qu'on augmente 12,40, 12,39. Ouais, ouais, ouais. La chaleur, c'est pas fou. Donc, pour la chaleur, c'était ici. Pour la chaleur, on a celui-ci. Il faut une barre d'iridium. Et sinon, on a celui-là, 2 iridium, un aluminium. Ok. On va essayer ça. Si, j'en ai un alu. J'en ai un. Un alu, c'est le dernier. Iridium, c'est là. 2. Et là, on a tout ce qu'il faut. On peut le mettre dedans, ça? Yes, on peut. On peut. On va le mettre... Allez, au fond, ici. À côté de l'escalier. Bien au chaud. Donc là, ça produit 4,5 de plus. Ok, donc là... Ça bouge. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais c'est pas la folie non plus. Hein. Quand on voit les autres indicateurs, l'oxygène, c'est clairement le mieux maintenant. 5, 6... Ah, quoique, ça se vaut. Hein. Ça se vaut... Ah non, c'est plus, pardon. C'est beaucoup plus. Ok, donc là, le 80%, on est déjà à 86%. Regardez comment ça accélère. Là. C'est parfait. La pression, ça, on peut en faire plus. Hein, des foreuses, là. Il y en a 4 ou 5 en bas, là. Ça, je pourrais en refaire. Hein. Il me reste de l'énergie, dispo. 3. Il reste plus grand chose de dispo. Du coup, ce qu'on peut peut-être faire... L'éolienne, c'est un de fer, ça c'est rien. Les panneaux solaires coûtent énormément. Les petits, moins. Ouais, après, ça produit 1,2 par seconde, 6 et 20. Ouais, mais là, c'est qu'un fer. Donc en vrai, si je veux un peu de mou, c'est pas mal. Hein. On peut en faire 2-3 en plus. Hein. Voilà. Hop. J'ai un petit peu de mou dans l'énergie. Je suis à 6 de dispo. C'est pas mal. Ok. Eh, regardez comment le ciel il devient bleu là. On y est presque. Hein. On est à 156 sur 175. On est vraiment pas loin. Là, je pense que j'ai tout crafté. Ouais, on est bon. Ici, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Les balises vous aident à trouver votre chemin, donc il faudra mettre des balises à certains endroits. On va tester, il faudra de l'aluminium, titane, silicium, aluminium. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire une première quête, là. Je vais reposer ça, cobalt. Déjà, il faut que je prenne à manger, ça c'était évident. Faut que je prenne de l'eau aussi. Tac, faut que j'aille... J'ai encore de l'eau? Enfin, non. Faut que j'aille chercher vite fait de quoi faire 2-3 bouteilles d'eau. Et on part en quête d'aluminium. Donc je prenne un max de bouteilles d'oxygène, même si j'ai des gros réservoirs maintenant. Et on retourne dans le biome qu'on a découvert l'autre fois. Tiens, je vais refaire une ou deux bouteilles d'oxygène. Vaut mieux être full en oxygène, tiens, du fer. Glace, je vais faire un peu d'eau. Oxygène et nourriture après. Hein. Ok, on le voit bien le fer là. Vu que le ciel devient bleu, on commence à mieux voir les choses de loin. Ça change tout la luminosité là. Hop. Parfait. Allez, je prends un peu de ça. On va remplir le coffre. Inventaire plein, c'est parfait. On y est. J'ai pas l'impression qu'on aille beaucoup plus vite, hein, honnêtement. Je suis censé aller plus vite là. Augmente la vitesse de 15%. Ah oui, c'est pour ça. C'est que 15%. Ouais. Mais pas sur un x2 quoi.
On va pas trop se plaindre. Mais quand même, j'aurais bien aimé aller un petit peu plus vite. Chouïa, chouïa. Allez, bouteille. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Hop, ça. Je pose ici. Alors, l'eau. On en envoie, j'en garde deux sur moi, j'en bois une. Et j'en remets une ici. L'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en mets deux, comme ça on sera full ici. Là, hop, je dépose ça. Et ici, je dépose ça, plus ça. On est parti pour la quête, c'est de la nourriture maintenant dont il va falloir. Nourriture avant de partir. Voilà. D'ailleurs, je peux même manger tout de suite. On est parti. Moi, je propose qu'on retourne là, on n'aille pas à gauche, là. On sait où est l'aluminium, il nous en faut, donc let's go. J'espère qu'on va pas se taper une tempête maintenant. Ce serait dommage. Alors, comme d'habitude, hein, quand je pars comme ça à l'aventure, je ne prends rien à l'aller dans mon stuff parce que bah, j'aurai plus de place sinon, donc toutes les ressources au sol, elles restent dans la nature pour l'instant. C'est quoi ça? Établi avancé. Ah, pour faire de nouvelles choses. Au pile au moment où je pars. Le ciel bleu est fait, regardez. 175 000. Donc là, on a une quête nouvelle, on reviendra voir ça juste après. Je ne sais pas du tout ce qu'on va nous demander ensuite. Maintenant qu'on a fait le ciel bleu, faire pousser des plantes, faire de la pelouse. Une idée. Donc je longe à gauche. On va arriver sur un autre biome juste après. On surveille bien nos indicateurs, hein, le CO2, enfin l'oxygène, le O2 plutôt. En bas à gauche, il y a les trois capteurs, les trois jauges. On a la santé, on a l'eau, l'hydratation et on a l'oxygène. Donc on check bien tout ça. Et on reprend ce qu'il faut au fil du temps. On a de quoi survivre là. Là c'est quoi faire ça? Non, on va pas prendre. On a dit aluminium. Alors, l'aluminium. Titane non. Silicium non. Ok, il y avait un coffre ici, il reste des choses dedans. Cobalt, fer, titane, on s'en fiche. Est-ce qu'on a de l'aluminium ici? Cobalt. On va en trouver, promis. Pas de chance, c'est du fer. Est-ce que lui est visitable? Il n'y a rien à visiter par là? Je check. Oxygène bas, ouais, dès qu'on commence à vraiment être dans le dur. Tac. Non, je peux pas monter là-dedans. Impossible de déconstruire, il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais, mais moi je veux bien y aller dans la caisse de stockage. Ok. On prend de l'oxygène. Dès qu'on sent notre cœur battre fort, c'est que... Nouveau message reçu. Bon bah, je vais le lire après. On peut pas y aller là, hein, on est d'accord. Hein. Impossible de construire, il y a quelque chose à l'intérieur. Ah, c'est là la caisse, ok. Ah, regardez, elle est dedans là, c'est ici. On peut pas l'ouvrir par là en fait. Mais il y a une caisse dedans. Donc il doit y avoir moyen de rentrer dedans à un moment donné dans le jeu. Attendez, si je fais mon grimpeur là. Ok. Il faut être perspicace dans ce jeu. Oh, c'est beau ça. Oh, magnifique. Merci le jeu, merci la vie. Iridium, bon, magnésium, on s'en fout un peu. L'alu, par contre, c'est hyper important. Uranium, bah oui, let's go. Alors, c'est là qu'on est mal, parce qu'il y a trop de choix, là, trop de choses. Et, ah, j'ai pas envie de laisser des trucs, quoi. On reviendra, c'est pas grave, de l'aluminium, j'en ai un peu, là, on reviendra. Super, là, la quête est bonne. Une balise, comment on l'a fait la balise? Titane, silicium, aluminium. Ok. Titane, silicium, aluminium. Alors attendez, on va faire un truc.
Je vais vous proposer de laisser deux alus par terre. Titane, silicium, on a dit. Non, oui, c'est ça, titane, silicium. Là, c'est du fer. On a le titane. On a le silicium. Donc, on va mettre notre balise ici pour pas oublier de revenir. Ok. J'imagine que ça fonctionne comme ça. Hein. On la pose, on met un petit écrit au-dessus. Voilà, et là, on l'appelle Shuttle. Ok. Ça marche, ça? Ok, pourquoi on le voit pas? Ah oui, c'est au-dessus, c'est écrit en haut. Très bien. Et là, on a le point, on va le mettre en bleu. Allez. Très bien. Notre balise, elle est là, elle... niveau d'oxygène critique. Très bien. Je reprends ce que j'ai laissé par terre. Du coup, je peux remonter vite fait, 2 secondes. Chercher ça. Tac, on est bon. De l'eau, je vais en boire un. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Et on ne laisse que 2, on est d'accord. Yes, on peut rentrer à la base et aller voir les nouveautés. J'ai pas encore de map, de... vous avez vu, hein, j'ai pas de map, j'ai pas de radar. Ou de minimap, hein. Je crois pas, hein, je fais M, non, y a rien. M, y a rien. Mais par contre, maintenant, on a cette balise-là, qu'on peut voir de loin, en fait. Ah, si, on la voit, en fait. Ok. Semoir d'herbe. Ah, je vous avais dit en rigolant, il va falloir planter de l'herbe. C'est une blague, mais c'est réel. Il va falloir planter de l'herbe. Tenez, là, il y a un coffre aussi, ici. Ok, plan de micropuce. Eh ben ça, je vais le prendre. Ration spatiale. Il y en a déjà une, là. Ah, faut remettre des balises, hein. Balise, on a dit que c'était titane silicium. Ouais, ouais, titane silicium. Là, faut le tracer, ça. Bien. Titane silicium. Si on en trouve un de chaque, on y va. J'ai 2 slots ou pas? Non, j'ai pas, mais je les remettrai après. Donc, on a déjà du silicium ici. Non, c'est de l'alu, ça. Ah, en plus, c'est de l'alu ici. Parfait. Parfait. On va laisser ça là, titane, silicium. Bam bam bam, titane, silicium. Ok. Et donc le coffre, il est... C'est pas celui-là. Hein. Il était là-bas, je crois. Celui-là, il est pas ouf. Ah, c'est ça. Il est là, l'autre coffre. Il est ici. Donc... Pas grave, on est à l'envers. Coffre. Ok, je vais devoir boire un peu d'oxygène. D'oxygène. Je vais pas le boire. Je vais devoir avaler de l'oxygène ou remplir ma bouteille. Ça se boit pas. Ok, je récupère là ce que j'avais lâché. Je récupère du coup. Toc, toc. On est d'accord, j'avais trouvé par terre de l'aluminium, non? Une blague? Fer. Inventaire plein. C'est pas là que j'avais lâché alors les trucs. Non, je récupère autre chose là. Glace, on s'en fout. Fer, on s'en fout. Fer, on s'en fout. Titane, on s'en fout. C'est où que j'avais lâché? C'était là. Cobalt, on s'en fout. Magnésium, cobalt. Je pourrais prendre un alu de plus, là. Il n'y en a pas un qui traîne. Un petit alu. Ou autre chose, hein. Il y a quoi, ici? On a encore beaucoup de bouteilles. 1, 2, 3. Ouais, 3. Je vais pousser un tout petit peu l'exploration, aller voir derrière cette colline. Et on rentre, promis, on rentre ensuite. Est-ce qu'il y aurait des zones un peu plus dangereuses? On a hyper bien avancé sur la terraformation, 226 000, on est là-haut.
Ok, il y a un sacré truc là. Il y a un portail carrément. Ok, ça on connaît. Quel est cet objet? Après, on peut aussi se dire qu'on peut se faire une deuxième base à un endroit. Hein. On peut très bien se faire une deuxième base. Hein. Avertissement, niveau d'oxygène. On prend. Une base avec un panneau solaire, c'est jouable. Hein. Histoire de se faire une base 2, ouais, ça peut être pas mal, ça. Hein. Ilicium. J'ai du fer sur moi. Fer, titane. Silicium. Ok, ok. J'ai envie de le tenter par là. Bien sûr, on va pas trouver de fer dans cette zone. Il y a du fer là. Inventaire plein. Fer, fer, titane. Titane. Un autre de fer et on est bon. Là, on l'a. Ok. Donc, on est parti. Je lâche... je lâche rien du tout. Je vais prendre de l'eau. Voilà. Très bien. On va se faire une base. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais on va se faire une base ici. Ça me plaît bien. On la décalera s'il faut, mais on va la faire là. On va faire une porte. Fer, titane, silicium. Faire. Oh. Faire. On va ramener le fer ici. Bien sûr, on va faire aussi. Tac. Faire. Faire. Je vais poser ça pour l'instant. Comme ça, on aura un peu de place. Fer, titane, silicium, on a dit. Je vois le titane. Et là, on a le silicium. Ok, un peu de fer en plus. Titane. Silicium en plus. Non, c'est du fer. Le titane est là. On va faire un panneau solaire aussi. Un panneau solaire, c'est cobalt, cobalt, les petits. Et les gros, c'est aluminium, cobalt, cobalt, magnésium. Ok, on peut faire un gros. Oxygène, il va falloir que j'en prenne. On a dit quoi? Cobalt, cobalt. Magnésium. Ah. Oxygène. Je fais une base 2, comme ça je pourrais construire des bouteilles, etc. Là, ça va être idéal. Ça va être idéal. Je vais en faire une toute petite pour l'instant. Donc déjà, une petite porte comme ça. On peut reprendre déjà de l'oxygène. Ensuite, on va se mettre une grosse station solaire là. Elle va pas sur le toit direct, on va la mettre là pour l'instant, c'est pas grave. On va la mettre comme ça. Faut que je mette silicium, hein, silicium. Tac. J'ai du fer, on va prendre un coffre. Ce que je peux faire sur les armoires. Ouais, 3 fers, une grosse armoire. On va mettre du matos dedans. Tac. Ok. Ensuite. Cobalt. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Fer cobalt. Très bien. Ensuite, moi je vais faire ça, un établi. Ah, il y a l'établi aussi de niveau établi avancé là. Mais déjà, niveau 2, c'est... Fer silicium. Silicium. Tiens, ça je vais prendre au cas où. Ça aussi. Il me reste encore un peu de place. Ok. Titane. Silicium, fer. Ok.
On est dans un nouvel endroit là. Une place il reste. Il y a de quoi faire ici. Ça fait une base tampon pas très grosse, mais au moins elle servira pour le... Ok, aluminium, il faut un alu. Ok. Bam, bam. Donc, ici... On va l'appeler la base... D'ailleurs, la première base, bien sûr, j'aurais dû mettre une balise. Base 2. Hop, ça c'est good. Ici. Je vais mettre un établi au niveau supérieur. Comme ça, on peut produire des choses. On a débloqué quoi? On a débloqué la torche. Un magnésium et j'ai la puce torche. Ça, c'est quand même parfait. Je l'ai là. Hop. J'ai quoi comme ça? C'est bon. Je dis je l'ai là, il est à gauche, hein, je l'ai vu. Vous inquiétez pas, je ne suis pas aveugle, il est là. Parfait. Inventaire plein pour l'instant. Ici, torche. Et on l'équipe. Et donc maintenant avec T. C'est T je crois, non? C'est où? Torche, torche, torche. CF. Ok, on peut aller dans les stations maintenant. Donc ça c'est good. Tac, tac, tac. Celui-là, il va falloir voir. Alu, alu, magnésium. On va le fabriquer celui-là, parce que j'ai de l'alu. Je suis curieux de savoir ce qu'on peut fabriquer avec. On le laissera sans doute pas là, mais on va le fabriquer. Elle émet un signal, la balise. Hein. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est 3 fers, 2 fers de plus. J'ai de la place ou pas? Ouais, j'ai pas assez de place. Ok. On va prendre notre temps. Silicium, je pose ça, je pose. Ça aussi. Hop, un peu de fer. Bien sûr, ce que je mets dans le coffre, il va falloir le ramener à un moment donné. Hein, de l'autre côté. Ou pas en vrai. Ou pas. Si on peut avoir de quoi se TP, ce serait incroyable. Très bien. Silicium, j'en ai pas mal. Oh, il y a ce qu'il faut en ressources ici. Hein. Fer. J'avais dit petite base, hein, je suis déjà en train de vouloir l'agrandir en largeur. Hein. Vous commencez à me connaître pour les abonnés. J'ai du mal à m'arrêter parfois. Hein. Alors, est-ce qu'on voit de loin? Ah ouais, on voit un shuttle, chest, c'est parfait. La base 2, elle est là, au pied de ce truc-là énorme. Donc, ici déjà. Ah, il ne veut pas parce qu'il y a la hauteur qui gêne. C'est ça. On va le faire par là, c'est pas grave. On va la pousser comme ça à la base, ok. Ici. Alu, 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 titane. Titane, alu, alu, alu. Il me manque un encore. Parce que je n'ai plus de place. Voilà. Wow, balèze. Balèze. Ok, ok. Ah oui, il en faut autant. D'accord. Super alliage. Oxygène T4, 3 super alliages. Super alliage, il faut un titane, un alu. Moteur de fusée, vraiment. Jetpack. Attendez, je m'enflamme. 2 uranium, 1 barre d'iradium. Waouh, 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 waouh. Ah mais là, c'est exceptionnel, ça. Attendez. Déjà ça, l'oxygène T4, il le faut, là. Super alliage. Et le super alliage, il faut un titane, un alu. Un titane, un alu. J'ai débloqué quoi? Forester 3. Ok. Ok, bouteille T4, je suis à 370 d'oxygène. Ça, c'est exceptionnel aussi.
Alors que je fasse de l'eau. De l'eau, mais il n'y a plus de glace ici. Il n'y a pas de glace ici. Si. Dans ce biome. Aïe aïe aïe, s'il n'y a pas de glace ici, je suis mal. Il va falloir que je fabrique mon eau. J'en ai plus d'eau sur moi en plus. Ah oui, bah oui, la chaleur monte peut-être aussi. Et donc la glace fond. Ah, on n'avait pas prévu ça. J'avais pas du tout prévu ça. Il n'y a plus de glace. Comment on fabrique de l'eau ? Il faut une machine pour ça, non ? Niveau de nourriture bas. Aïe, 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 aïe. Attendez, attendez. Comment on fabrique de l'eau ? Bordel. Pousser de l'herbe à l'intérieur, ce qui génère de la biomasse. Ok. Moi, c'est de l'eau que je veux. Y'a rien, y'a pas une pompe, y'a rien. C'est la biomasse peut-être qui peut faire ça. Graines de l'Irma, ok. Alu, bouteille d'eau, bouteille d'eau. Aïe, 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 aïe. Ça se trouve, là, on est très mal parce qu'il n'y a plus de quoi faire de l'eau. Ok. Aïe, 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 je la sens pas, cette histoire. Bouteille d'eau, c'est de la glace, hein. C'est uniquement de la glace. Hydratation bas, ah ouais. Là, ça craint grave, là. Ok, on va essayer un truc. Ça, oxygène, je peux en fabriquer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Ici, donc là, je peux fabriquer un peu d'oxygène. Bouteille d'oxygène, bouteille d'oxygène, bouteille d'oxygène. Ah, c'est chiant ça. C'est mal foutu. Bouteille d'oxygène, je vais en prendre deux pour rentrer. Graine machin, je la garde. Ça, je le démonte. Je récupère les ressources qui vont avec. Je leur montrerai de l'autre côté. Et ici, je récupère. Allez, les deux là. Les deux là. Ici, je peux laisser du fer, je m'en tape. Ça aussi. Silicium titane, on s'en fout. Aluminium, on garde. Ration, je la mange. Et là, c'est l'eau qui va me manquer. Et donc, on va essayer de retrouver la navette numéro 1 déjà. Et je vais mourir au passage. C'est sûr, il n'y a pas d'eau. Alors là, imaginez, j'ai trop vite avancé dans le jeu et je peux plus faire d'eau. Ah, j'avais pas pensé qu'il y aurait plus d'eau ici. On a un peu de marche à faire. Hein. On est revenu par là. Est-ce qu'on peut le faire à gauche? Le jetpack, ça va être incroyable. Niveau d'hydratation critique, ouais. Alors après, l'hydratation, est-ce que ça me tue sur le fait ou est-ce que ça me fait diminuer mon énergie, ma santé? Nouveau message reçu. Ouais, je vais aller regarder ça. J'espère que ça me tue pas direct. Par contre, l'oxygène, ça bouge plus. C'est quoi ce truc? Ah si, ça descend tout doucement. Ok, là, il y a de la glace ici dans ce biome. Non, encore. Je tente un truc. Fer silicium. Merde, je sais pas. Fer silicium. Fer. Silicium. On peut pas la mettre là. Fer, fer, titane. Titane. Titane, trouve-moi titane, là. Je clutch, je clutch. Une porte. Fer titane, merde. Non, juste pour ça. Silicium. Fer titane, fer titane. Un de fer, bordel, un de fer. Il est où le fer? Ok, donc là j'ai plus d'eau, officiellement. Aïe aïe aïe, je meurs direct. Ok. Mince. J'ai voulu clutch. On est où là du coup? On est sur la petite base. D'accord.
sur la dernière où je suis allé. Non. On est sur la dernière construite. Ça, ça m'arrange pas du coup. On peut pas choisir où on spawn. Mm-hmm. Pas grave, je vais fabriquer de quoi faire des bouteilles d'eau. Là. On a de l'eau dans le biome d'avant, donc on va faire ça. Ça nous fera un tampon aussi. Hein. Je crois que c'est la meilleure strat pour l'instant de faire des bases tampons. Pour passer d'une zone à l'autre, c'est mieux. Ok. Donc j'ai du stuff par terre, il va falloir que je le retrouve, mais on sait à peu près où on est puisqu'on a notre construction qui va être face à nous. Je récupère en passant titane, fer, silicium. Là-bas il y en a, il y a du titane là. Du fer, magnésium. La porte, c'est quoi? C'est bon. Titane, fer, silicium, on est bon. Let's go. Allez, on prend s'il y a un peu plus. Je prends du rab. Après, regardez ce qu'on a là, ce qu'on voit là. J'avais pas fait gaffe. Mais ça, c'est du fer. Ça, c'est du silicium, ça. What the fuck, c'est quoi ça? Non, de nouveau une tempête. Oh, j'ai eu peur. La vibration m'a fait peur de fou. Ça flotte un peu dans le vide, ma station, là. Elle flotte dans le vide pour l'instant. Ok. Un de fer. Fer. Il n'y en a pas d'autres là? Si. Pas que je m'en prenne sur la tête, hein. Ok, bouteille d'eau. D'eau. Ben voilà. Ça c'est bon. Alors, il nous faut de la nourriture aussi. Je n'aurai pas ici. J'ai de l'oxygène là, j'ai pas de graines, ouais. Bon, là on a une petite base tampon aussi. Ça, c'est un de fer. J'aime bien quand c'est assez proche de la réalité. Et pour faire ça, il faut rien du tout de plus. On a tout ce qu'il faut. Ok. Base tampon. Comment je peux l'appeler? Base small, allez. C'est une toute petite base, voilà. Et on a la base 2 là-bas. Okay. C'est notre petit tampon sur le passage. J'ai 2 d'oxygène, on est pas mal. Le coffre là-bas, du coup, je vais finir de le remplir. Ah non, c'est même pas celui-là, c'est plutôt la navette qu'il faut que j'aille chercher. Là. C'est la navette. Bien ça le cobalt là. Aluminium, titane, fer. Allez, je prends, on verra bien si je laisse ou pas. Donc ici, je vais finir de vider les coffres. Alu. Ensuite. Ok, c'est du fer. Y a rien d'autre à récupérer là. Oh! Des choses là à récupérer après. Je m'émerveille devant pas grand chose. Celui-ci on l'avait fait, hein, c'est ça. Non, on l'avait pas fait. Titane, silicium. Ben, je vais laisser du titane dedans. Fer, ok. Plateforme de lancement. Ça y est, on pourra faire la fusée.
Faut qu'on aille mettre une balise sur la première base. Sinon on va s'y perdre. Allez, j'y retourne là. C'est parti, j'aurais pu reprendre de l'oxygène dans la base small, mais c'est pas grave, j'ai des bouteilles. Et ce que je veux dire, ça c'est des ressources, je pense, hein, tout ça là, c'est gros cailloux. Ça c'est peut-être du silicium, enfin j'imagine qu'après on pourra mettre peut-être des foreuses. Là on va peut-être pouvoir rentrer dedans avec le jetpack. Ok, on a une tempête de sable là. On s'en prend plein les yeux. Moi je pense que l'idéal ce serait d'avoir de quoi se TP, ça ce serait fou. C'est joli hein, quand c'est comme ça là. Hein. J'espère que je reviens bien au bon endroit. Hein. C'est du titane ça. Je reconnais plus rien, tout est rouge. Oxygène. 370, ce qui est cool, c'est que la bouteille, elle remplit tout. Ok, donc là, il est temps d'allumer notre petite lampe de poche. Yes, on revoit notre base au loin. C'est parfait. L'ambiance est sympa là, comme ça, avec la lampe. Hein. Elle éclaire pas énormément, mais elle a le mérite d'être là. Donc, notre première base tourne toujours. J'ai de l'élec, tout va bien. Petite ambiance un peu presque orientale, la musique, là. Ok, bienvenue à la maison. Alors, ici. Ok, il faut faire de la pluie. Pour ça, il faut continuer à augmenter dans la terraformation, là, les kilo TI. L'énergie, on a 23 de dispo, c'est bon. Ici, on a une foreuse de niveau 3, ouais. Donc la foreuse de niveau 3, on va la faire plus tard. J'ai ici des cartes à donner. Décoder. Nouvelle vitesse d'extraction T2, ok. Allez. Trouver, j'en ai pas d'autres? Je crois que j'en avais deux. Non, j'en ai qu'une, ok. Donc la puce d'extraction T2, c'est une T1 plus super alliage plus silicium. J'ai plus de super alliage. Si, j'en ai. Quoi? Que j'en avais. Ah mais non, je l'ai utilisé pour faire quoi déjà? Le réservoir T4. C'est ça. Donc le super alliage, on peut le fabriquer avec cette machine qu'on va mettre ici quelque part. On se la met où la machine? Est-ce qu'on a de la place quelque part là? Non? Non, non, non. Elle est balèze hein, cette machine. Hein. Ce que je peux faire dans ce cas, c'est nous libérer un peu de place. La caisse, là, il y a plein de trucs. Donc si je fais ça, elle veut pas... Ok, là aussi, il y a plein de trucs. Et là aussi. Faut d'abord, donc... Ah, bah là, j'en ai. Des super alliages. J'ai de la barre d'uranium aussi. Ok, ok. On va mettre l'uranium ici. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est trop chiant. On avait dit quoi faire et... Et quoi? Titane. Ok. Parfait. Donc ici, on va mettre le titane. Et le fer. Ici, je peux même mettre ça, je pense. Et là. Ok. Caisse de stockage. Ça, je vais déconstruire. Ça, c'est bon. Donc là, on commence à avoir un passage ici. On va prendre ça. On va détruire ça aussi. Ici, donc, je mets ça. Il me faut quoi? Un titane, du coup. Et je le mets par là. Ça prend toute la fenêtre, mais par transparence, on peut le voir quand même. Fusée, super alliage uranium, barre. On va tester ça. Super alliage. Ah, c'est barre d'uranium que j'ai, c'est pas la bonne. Hein. Il faut une barre d'iridium, donc il en faut 9. Ok.
Et la barre d'uranium, elle sert à quoi? Hihi, y a pas, hein. Y a pas. Ok. Sac à dos T4, il faut quoi? 3 super alliages et un titane. Ça, j'ai. Ouais, j'ai. Content. Donc, 1, 2, 3, un titane. Et là, boum, sac à dos T3 devient T4. Et là, j'ai une rangée de plus. Magnifique. Magnifique, les super alliages, il n'y en a plus trop là. Tac, tac, tac. Faut que je fabrique des armoires supplémentaires là, comme ça. Ce serait pas mal. Ici, on a le silicium. Je vais mettre le magnésium avec. Et le cobalt, allez. Là, il y a du fer. De la glace, on s'en fiche. De l'alu. Enfin, on s'en fiche. La glace, on va faire de l'eau avec. Voilà, la santé, ici, on va manger, on va boire, je vais aller chercher de quoi faire de l'eau. J'ai rien autour là, si il y en a là-bas. Un petit peu de glace. Bon, je trouve que dans cet épisode, on aura vraiment aussi énormément progressé parce qu'on a réussi à faire... une base tampon et une base supplémentaire. Je vais aller chercher absolument celle-là de là, je ne sais pas, mais je la veux. On va reprendre un peu de hauteur. Ah, lui, il veut pas. C'est pas grave. Encore un peu de glace, du fer. Il y en a, on prend. Ok, silicium, je prends. Ça, je prends. Ça l'a pris, ouais. J'ai un inventaire très grand maintenant. Parfait. Allez, on est good. Hop, celle-ci, et on sera bon. Ah, et la T3, la niveau 3, la foreuse niveau 3, il faut quoi? 2 alus, c'est ça? Ok. Je tente très bien une foreuse T3 là pour voir ce que ça donne en termes de vitesse. Hop, et donc pour ça il faut 2 alus. Tac. Je veux la mettre pour voir ça. Waouh. Ah oui. On va la mettre à côté de Twister, mais elle blague pas. Hein. Ok, ok. Ça fait 1,5, ça fait. 17. Ah oui. Les autres sont des petites joueuses. Et j'ai encore un tout petit peu d'énergie en plus. Hein. 2,4. Là, ça devient ridicule, anecdotique. Du coup, il faut 2 cobalt, 1 alu, magnésium, silicium. Ok, je viendrai en remettre après. Beau ça. Hein. C'est beau. 150 uniquement. J'ai mieux. 200. Là, on a 9% déjà de cette phase-là. Regardez la vitesse, là, ça augmente très vite. On est à 400 presque. Ici, on a tout ce qu'il nous faut. Ici, il va nous falloir des barres, ok. Tac, tac. On est en combien? En T4 déjà, l'oxygène, hein. Ouais. Bon, c'est ça que je veux, là. Hein. C'est les deux moteurs, hein. Barre d'iridium, là, il faut qu'on aille chercher ça. Hein. Faut qu'on aille chercher ça dans le prochain épisode, c'est sûr et certain. Est-ce que j'ai 3 fers là? Regardez ce qu'on peut faire là. Une plateforme de lancement de fusée. Est-ce que j'ai 3 fers? Ouais, j'ai 3 fers. J'ai un lit une personne. J'imagine que ça permet de spawn après à cet endroit là. Alors, où est-ce que je la mets celle-ci? La mettre si on est bloqué, je peux la mettre là en fait. Hop. Est-ce que je vais m'en souvenir qu'il y a ça? Peut-être pas, mais je vais la mettre là. Alors la glace, on va faire de l'eau. Ok, j'en
fait 4 d'avance. Ici, je récupère tout ce que je peux. Tac. Donc là, je vais déjà boire... Non, pas tout de suite. Je pose ça là. Toutes les graines là, comme ça. Toutes les bouteilles ici. Et je viendrai rechercher ça. Ok, exosquelette, je pose ça là. Donc ici, on reprend ça, j'enlève. Ici, je pose fer, titane. Fer, titane, je vais mettre aussi. Ah non, c'est de la glace, hein. Je croyais que c'était de l'alu. C'est de la glace, donc la glace, je vais la laisser là. Je vais prendre 2 bouteilles d'eau avec moi. Allez, 3 bouteilles d'eau. Et bouteille d'oxygène, j'en prends 4. Ensuite, on a ici à déposer ça. Et on est bon, on sera prêt à repartir sur la prochaine journée. Très bien. Modifier la couleur. Ah, on avait dit aussi, dernier truc, qu'on mettait une balise titane, silicium, aluminium. J'ai plus d'alu, je crois. Donc je peux toujours pas le faire. D'accord. Ouais, j'ai plus d'alu de dispo. C'est pas grave. Titane, silicium, aluminium. On le fera la prochaine fois, de mettre une base sur la base... Une balise. Très bien. Et bah écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là dans cet épisode à la découverte du jeu The Planet Crafter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai été ravi de vous proposer ce 4e épisode sur le jeu. On en fera d'autres, c'est sûr. Merci de mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. Ça me donne énormément de force dans cette aventure YouTube. Donc merci à toi. Tu peux aussi t'abonner si tu n'es pas encore abonné. C'est pareil, ça me donne beaucoup de visibilité, beaucoup de force. Et toi, ça te permettra de ne pas rater les prochains épisodes sur The Planet Crafter ou sur un autre jeu. Et enfin, si tu veux me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre, donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du jeu ou de cette vidéo. À très bientôt pour un prochain épisode de Power Gameplay. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !